Salut les voyeurs. Ah, t'as vu, on s'est pas mis dans le bon sens. Ouais, je sais, du coup, c'est un peu la galère pour moi tenir la perche, mais c'est pas grave, maman. Ce matin, on se réveille pour la dernière fois sur Cap. On va reprendre la route. C'est ça. Donc, on a gonflé les pneus, ouais. On a mis de l'essence. On est prudent, hein. Ben oui, on va faire beaucoup de route quand même. Puis l'essence, c'est important, sinon on va pas aller loin, quoi. Non, on va où, Wiki? On se dirige vers la province de Takeo. Donc Takeo, cette province, elle est considérée comme le berceau de la civilisation cambodgienne quand même. C'est vers le nord-est. C'est ça, vers le nord-est. Aujourd'hui, on devrait faire à peu près une centaine de kilomètres. Oui. Parce que nous, on va se rendre à l'extrême sud, dans le district de Kirivong. J'ai repéré 2-3 petits monuments sympathiques à aller voir qui datent du 7e siècle. Waouh! Eh oui, mon amour. Oui, parce qu'on aurait pu faire comme tout le monde, prendre le bus, faire Sihanoukville, Siem Reap, ouais. Les temples d'Angkor. Que nenni! Non. Nous, on fait tout seul. Là, voilà, à mon avis, la région dans laquelle on se rend, on va pas rencontrer grand monde. Oui, alors, pour rien vous cacher, on n'a pas booké d'hôtel parce qu'en fait, personne ne travaille avec Agoda, Booking, tout ça. Non. Donc, j'espère que ça va aller. J'ai repéré dans cette ville, dans le district et ville en même temps, 2 ou 3 seulement lieux pour dormir. Et j'espère que ce sera disponible, sinon il faudra remonter bien plus haut. Je bave. Ouais, dis donc. Oh non. Ben oui, mais t'as qu'à patienter, là. T'es là, on fait la troue, toi t'es là, je bois mon café. Mais tu fais que parler, faut bien que je m'occupe. Ça va pas commencer, maman. Hein. On est parti pour un road trip d'environ 3 semaines. C'est vrai, quoi. Je suis étonnée, t'as pas fini le goûter d'hier. Non, mais par contre, je mange, là. Il restait un pancake, maman. Et je te laisse un petit morceau à la noix de coco. Monseigneur, fais-moi un petit point météo vite fait, là. Il fait pas très beau. Il ne pleut pas. Il doit faire au moins 25-27 degrés quand même. Mais il n'y a pas de soleil. C'est très nuageux. Ça va le faire. Tant mieux pour rouler, c'est bien. On parle pas la bouche pleine. Oh ouais. C'est bon, t'es prête? Go! Direction Takeo. Alors, Wiki, un point route. On va quitter l'axe principal. De toute façon, ce sont que des travaux. Donc, la poussière, on en mange. Et même le Népal, il n'y en avait pas autant. Ils font pas des travaux sur des portions de 10 km ou 15 km. Ils font des travaux sur toutes les routes, sur toute la distance. Donc, bon. Et maintenant, on cherche, il faut prendre la route, la 1311B, maman. T'es content? Ouais. En fait, c'est juste en face, c'est la piste. Donc, c'est soit on continue par la route, avec un peu d'enrobé, mais avec des nids de poules, on se demande si les mines n'ont pas explosé seulement hier. Soit on tente par là. On va tenter, mon amour. Allez, bravo, maman. Une sage décision. Ah bah bravo. Comme si c'était déjà pas assez chaotique, en plus il faut faire des détours. On va pas s'en sortir. Hein. On rigole, mais c'est pas drôle. Non. Mais ils savaient qu'Osebo allait emprunter ce chemin. Ouais, ils savaient qu'il y a 2 Français qui allaient passer par là et du coup ils ont mis le panneau de détour en français. Et oui, c'est cool pour nous ça. Attends, stop, elles sont trop belles. Elles sont belles, wow, hein, wow. Avec les colliers et tout, ouais. Super. Hein. Je vais me rapprocher. Elles ont des plus jolis colliers que toi, non? T'es prêt? Ouais, moi je t'attends. Hein.
À quelle heure on arrive? On a encore une soixantaine de kilomètres sur cette piste avant d'arriver. On n'est pas arrivé. Alors là, ça se complique, ça va pas être possible. Donc le détour, je pense que c'est par là, oui. Eh oui, on va suivre. On va suivre les autres. Hein. Allez. De se poser sur une chaise qui ne balle pas dans tous les sens. La route, la piste, comme d'habitude, on a failli se perdre, enfin un truc mémorable. Là on arrive juste à l'entrée d'un petit village, on a vu cette petite dame avec son stand, ses grosses marmites, on s'est dit là on se pose, on va manger. Elle nous a proposé des pâtes. Waouh. Et on a dit oui, il est temps de se régaler maintenant. Alors Wiki, qu'y a-t-il dans cette petite soupe? Écoute, c'est une soupe, on peut dire végétarienne, c'est une soupe de légumes, tout simplement. Mais toutes ces herbes-là, ces petits oignons frits, tout ça, franchement, super bon. Hein. Ça fait une soupe fraîche, ça fait du bien aussi. Il est temps que tu remettes ton petit sac à dos sur tes épaules, mon amour. Oui, tu peux me donner le tarif pour cette, ouais, là, ces deux soupes? Vraiment pas cher. On a payé 5000 riels, c'est-à-dire 1,12€, 1,10€ peut-être pour les deux soupes. C'est bon marché, hein? Oui. Parce que c'était très copieux. Qu'est-ce qui se passe, Wiki? Ça fait deux fois qu'on rencontre des petits problèmes avec l'électronique, cette clé électronique. J'espère qu'il n'y a pas la pile qui commence à faiblir. On va voir. Il n'y a pas de jus? Si, ça déclenche, mais ça démarre pas. Yes! C'est bon, t'as terminé avec tes canards? Non, parce que moi je voudrais avoir la pagode qui se trouve juste là, à gauche là-bas. Allez mon Wiki, raconte-nous tout. Non, ben, tout, ça va être du rapide, du succinct. Je n'ai trouvé que le nom de la pagode dans laquelle nous nous trouvons. Donc, Kampeng Pagoda. Voilà. Mais face à nous, près du bâtiment principal, pourrait-on dire, nous avons un prasat. Et ce sera notre premier prasat ici au Cambodge, maman. Donc un prasat, on va dire dans la définition Khmer, c'est une tour sanctuaire. Généralement, il y en a plusieurs qui sont disséminés symétriquement autour d'un prasat central. Mais là, il n'y en a qu'un seul. C'est pas ça qui va nous empêcher d'aller visiter ce prasat.
Mais voilà, c'est quand même plus facile quand quelqu'un nous emmène. Oui, oui, cette dame nous a croisés, on était un peu paumés et elle nous a enfin montré la direction. Voilà. Ah. Hakun. 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 Qu'est-ce que tu viens de me dire là? Tu poses ton sac, mon amour. Tu pensais que j'allais monter tous ces escaliers à pied avec mon sac? T'as remarqué? Je suis quand même un petit malin. Même en plein milieu de la cambrousse, j'arrive à te trouver de jolis escaliers. Hop, 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 hop. Mamour, oui, oui. On peut avoir deux petits mots sur cette jolie vue quand même, on n'a pas grimpé des escaliers pour rien. Non, c'était une jolie vue. Non, beaucoup d'escaliers, hein. Il y a deux chemins en fait. Soit des escaliers tout droit, soit un petit chemin qui part légèrement sur la gauche. Wiki me dit, viens, prenons celui de gauche, c'est en pente. Peanuts, comme d'habitude, ce sont des escaliers. La vue était somptueuse, maintenant je t'invite à aller boire un verre dans ce petit troquet juste ici, mon Wiki, viens. Tuesday. Ça m'apprendra à sortir un mot de cambodgien, résultat, ensuite, on est incapable. Tu réponds pas à la question ? Ben non, à chaque fois c'est pareil, on est content, soit on apprend une phrase par cœur, et ensuite tout le monde pense qu'on parle la langue, et après c'est mort. Bon, c'est pas grave, on va réussir, je pense. À commander à boire. À commander à boire, bien sûr. Il y a du coca, maman. Oui, mais comme je parle couramment la langue, j'ai préféré demander deux jus de canne. Eh ben voilà. Voilà, très bonne initiative. À choisir. À choisir, c'est quand même mieux le jus de canne. Pouf, le jus de canne, c'est excellent. Hein. Mais c'est bruyant. Elle est bonne, celle-là. Oui, bruyant, mais appétissant. Hakun. Hakun. Waouh! Immense! On va rester là 2 heures. Nous avons payé le même prix que pour notre repas, pour les deux soupes. Je ne sais plus combien c'était, Wiki. 1,10€. 1,10€, voilà, merci. Et là, il nous reste une petite heure de route. Allez, go! J'espère qu'on ne va pas se faire manger par les oies en repartant. On va voir ça de suite. On était par là. Oh. Bye bye. Bye. Non, pas d'oie à l'horizon. On traverse le village, tranquillement, on entend de la musique. On s'est dit, on va s'arrêter, on va aller voir un peu ces musiciens. Donc au départ, tout va bien. Bien sûr, mais tout s'est bien passé, ah ceci oui, dit. Hein. Les musiciens nous font un grand sourire, venez et tout, donc on y va, on les filme, sympa. Et moi, je vois un drapeau blanc à l'entrée de la maison, on va dire. Gawiki, ça doit être un enterrement. Il me dit, non, non, pas du tout. Et en fait, en filmant les musiciens... Eh oui. À l'arrière, je vois... Le corps qui était au sol avec le drap blanc. Enfin oui, effectivement, c'était les obsèques. Bon. Mais tout le monde nous a accueillis avec un grand sourire. Ensuite, tout le monde est venu nous dire au revoir à la sortie, les enfants oui. Et tout. Bon, ouais, c'est moulette. Mais c'est pas grave, on a été très bien accueillis. C'est l'essentiel.
ville tant attendue. Oui, ben ça va, il est presque 16h, c'est bien quoi. Maintenant, la mission, trouver un hôtel. Oui, ben j'ai vu sur Google Maps qu'il y avait 3 ou 4 établissements. Maintenant, ben, il suffit d'aller toquer aux portes et voir si c'est disponible et à quoi ça ressemble. Première tentative, premier hôtel. On est accueilli, on va voir ça. Alors ? Alors, il n'y a pas de lumière ? Ben, c'est ce que je cherche. S'il n'y a pas de lumière, ça va être... Ah si, elle est juste ici. Ah là, faut brancher des trucs peut-être. Je sais pas, je vais chercher ça. Donc... Là ? T'as trouvé ? Ouais. Ah ouais. Attention. Ça, c'est la salle de bain. Ouais. Ok. C'est la ventilation de la salle de bain. Ouais. Alors, fais-moi un petit topo là. Alors, pouf, on y arrive quand même. On a deux grands lits, maman. Ouais. Des lits de deux personnes. Faut que tu me vendes le truc là parce que. Ah bah bon, chacun sien, donc tu vas dormir tranquille. Okay. Ça y est, je t'ai vendu le truc, c'est réglé. On a une fenêtre, donc avec vue sur je ne sais pas, parce que j'ai une moustiquaire aussi. Alors, on essaie d'ouvrir ou quoi? On a une vue sur une toiture. Ok, on sera au calme. Hein. Ouais, mais il y a un balcon, j'ai vu là-bas. Une terrasse. Hop là. C'est encore moi? Ouais. Donc on a une télévision, c'est pas important. Il y a un ventilateur, ça c'est bien déjà. Et une salle de bain, bien assez grand, c'est comme la chambre. On peut y danser dans la salle de bain. Waouh, truc de fou. Il y a de l'eau chaude, de ce que je vois. Et puis sinon, ça sera un peu froide, si on n'arrive pas à l'allumer. Dis donc. Sinon, il y a des produits d'hygiène, avec des toilettes. Merci. Un seau pour faire la lessive, parce qu'on est plein de poussière. Ouais, j'ai pas envie de faire la lessive là-dedans, mais bon. Donc c'est... alors. Attends, je ressors, ça redonne. Et donc le tarif, c'est 7$, ce qui fait 6,40€. Et on nous amène en plus deux bouteilles d'eau. Oh, Akun. Akun. Ok. Et voilà, bah, donc on va tout simplement s'installer ici. Bon, madame, c'est comme ça la vie. Viens voir, j'ai annoncé qu'il y avait une terrasse. Tu vas voir si on peut être bien là. C'est pas une terrasse, hein? Ah oui, pas mal. Allez, viens ça. Voilà. Un petit tour d'horizon, tac, tac, tac. Vue sur les toits de Paris, et non. Très bien, reste plus qu'à aller chercher ton sac. Ah oui, toi t'as déjà le tien. Oui. On va faire un tour du quartier. Mais avant, vas-y, recule, Wiki. On va vous montrer un peu les chambres, ce que ça donne... Voilà la publicité des chambres. J'espère que vous voyez bien. Et bon, bah, on vous fait pas un dessin, vous avez vu la chambre qu'on a. Bon, à ce tarif-là, on va pas se plaindre. Allez, on va boire un verre. La journée des 5000, des 5000 reels. On paye tout 5000, le repas, les jus de canne et maintenant ce petit 4h, enfin, ce petit 17h. Donc les petits gâteaux que j'ai filmé tout à l'heure, qui ressemblent un peu à des baklava, je pensais qu'on allait manger ça avec une boisson. Mais en fait, j'ai vu les jeunes filles qui sortent de l'école qui prennent cette mixture, je sais pas comment ça s'appelle. Et en fait non, elle prend tous les petits gâteaux, elle les met au fond, elle met du lait concentré sucré, de la glace pilée et voilà. Bon, bah, voyons. Écoute, non mais c'est pas mal. Là, c'est compliqué, hein. Vas-y, goûte. Oui, goûtez, je vais goûter, ça c'est sûr, je vais même le finir. Hein. Du coup, c'est très bon. C'est très sucré. C'est sucré. Il y a du maïs, il y a du riz gluant. C'est bon, très très bon. Pour moi, c'est coca, avec de gros glaçons énormes. Vous vous rappelez le film Basic Instinct avec le pic à glace, patin fin. Regarde la taille des glaçons. Ça va
être bien frais, je pense. Tu vas à la pêche? Oui, j'essaye de montrer tous ces petits gâteaux qu'il y a au fond, maintenant que la glace pilée est un peu fondue. Avec, c'est vraiment bon, hein. C'est sucré, avec le lait de coco et le lait concentré sucré. Ça me rappelle un peu ce que je mangeais en Malaisie, j'adorais ça, le sendol. C'est ça. Sendol, ouais, c'est ça. C'était bon. On est bien avec cette vue imprenable sur les toits de Kirivonne. Oui, magnifique. Et oui, il n'y a pas que les toits de Paris dans la vie. Et non, il y a Kirivonne aussi. Le district de Kirivonne. Et peut-être la commune. Hein. Peut-être. Bah, j'en suis pas, certain. À deux pas, à deux kilomètres d'ici, il y a le marché de Kirivonne. Ouais. Donc, on en déduit que c'est le même nom pour la commune. Enfin bon, pour, ça n'a pas d'importance. Non, ça n'a pas d'importance. Sur le trajet, on a eu des bons jours tout au long du chemin. Ah ouais, quel accueil. Ah quel ouais, accueil ils sont chaleureux. Comme tout, ils ont toujours la banane. Ouais, 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 extraordinaire. Ils sont contents de nous voir. Bah, bien sûr. Dire qu'on est les seuls, on est paumés là. Mais eux sont contents de nous voir et la poussière aussi est ravie de nous voir. La totale. Elle la s'est totale. Chargée de nous le faire. Hein. Ouais. On en a eu. On a choisi cet hôtel. Un peu au hasard et on a pris le premier venu. Mmh. Bon, on tombe pas mal. Hein. Non, on est pas mal. La chambre est spacieuse, mmh. On a une salle de bain, mmh. On a une grande terrasse et ouais. Tout ça pour 6,40€. Bah... De l'eau. Oui, bon, certainement froide. Mais ça, ouais. Bah, on peut pas tout avoir à 6,40€, on va pas faire les toxiques. Ah non, non, non. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et on vous dit... Bonne nuit les petits. Prends une salle à douche froide. Oui, si tu veux, tu peux, je te laisse.